On se retrouve les gars pour une nouvelle saison avec notre manager dans cette carrière Globetrotter. J'espère que vous allez tous très bien ce mardi. Les gars, on est parti pour notre troisième saison à la tête de la Juve. Première année où on avait remporté avec des champions. La saison dernière, on a gagné le championnat, mais également la Coupe d'Italie. On vient de faire doubler. Et on va pas se le cacher que nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire un triplé. Faire un triplé avec notre club. Important, j'ai oublié de sauvegarder à la fin du dernier épisode, donc j'ai simulé la dernière saison. Et du coup, j'ai déjà fait le mercato. Bon, vous venez d'être spoilé par le premier joueur que j'ai acheté, puisqu'il vient de passer sous vos yeux. J'ai déjà fait le mercato, alors en grande partie, hein, pour vous donner une idée, au niveau où on se situe, on est au 1er juillet de l'année, donc il y a encore pas mal de choses à faire encore dans cette équipe et pas mal de choses à préparer, si je puis dire. Mais on a déjà fait une bonne chose, on a déjà bien préparé la saison à venir et ça, c'est très important. Je vais vous montrer les recrues. Alors, étant donné que j'ai simulé, j'ai dû aller racheter Stankovic. Et j'ai donc été le chercher. Et vous le voyez, j'ai été réaliser un truc que je voulais faire depuis deux saisons. Noah Mercier, qui arrive pour 90 millions. Deux très très gros joueurs, deux recrues énormes qui jouent au même poste. Ce qui est ouf, c'est que j'ai réussi à négocier avec Stankovic qui soit en rotation. Donc c'est Mercier titulaire et Stankovic en rotation. Du coup, l'équipe, sincèrement, elle est énormissime. On a une attaque fantastique. On a un milieu de terrain sensationnel, on a une défense centrale qui commence à se faire vieillissante, je suis tout à fait d'accord, mais ça fait encore l'affaire. Et on a encore du Lima sur le banc, on a du Stankovic, on a du Ilic, donc on a encore énormément de qualité et clairement on peut espérer faire de grandes choses cette année avec cette Juve. Objectif, vous le connaissez à force, hein, on veut essayer de tout gagner bien sûr, ça va de soi, c'est dans notre ADN de tout gagner et on va tout faire pour le faire. Voilà, il n'y a pas trop d'autres choses à dire, on va tenter de vendre aussi certains joueurs qui sont indésirables tels que Kakré ou Guendouzi pour refouler un peu les caisses, puis peut-être qu'on aura encore une recrue après, on verra. En tout cas, l'objectif c'est de tout rafler encore, il n'y a que ça à dire. On a le droit à deux matchs sur la saison comme vous le savez, on va voir ce qui va se passer, on se retrouve un peu plus tard pour analyser peut-être ce qu'il y a encore du mercato ou autrement s'il y a des ventes. Bon les gars, j'ai encore fait un peu de mercato. Hein. Je vais pas vous le cacher que je me suis encore fait plaisir sur le marché des transferts parce que oui, on avait de l'argent, hein, on va pas se le cacher. En plus de Mercier et Jankovic qui sont vraiment la relève au milieu de terrain au vu de leur jeune âge, on a vendu Kakré hein, pour 43 millions à Aston Villa. J'ai que des clubs italiens qui le voulaient. J'ai dit que je vendais pas à un club italien. Du coup, Aston Villa rafle le joueur. Et regardez ce que j'ai vu sur... Voilà, même s'il a 32 ans, il est libre de tout contrat. 89 de général. C'est mon nouvel attaquant. Avec Vlahovic, pépite. On a deux monstres comme ça offensivement. Comme ça, je vais pouvoir faire tourner. On a encore été chercher Quintero, ça doit être un régène d'un Espagnol. 35 millions, c'est pour de la rotation au niveau du milieu de terrain. Guendouzi s'en va ensuite, lui, à Liverpool. J'ai vendu les petits Français que j'avais au milieu, qui étaient âgés de 32 et 33 ans. Et je me suis refait un petit peu de thunes pour aller chercher Quintero. L'équipe, je vais pas... Voilà, l'équipe, elle est là, elle est monstrueuse. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. On va bien sûr aussi aller voir maintenant notre tirage au sort en Ligue des Champions. Parce que, j'ai vu qu'on a tapé le Real. J'ai vu qu'on est dans le groupe du Real. On a le Real, Salzbourg, Feyenoord. C'est pas un groupe dégueulasse en soi. Faut pas le sous-estimer. Pour moi, c'est un groupe où on peut flancher. On peut flancher. Faudra pas faire n'importe quoi. En tout cas, ça va être intéressant. Le mercato s'est terminé. On va se lancer maintenant dans cette nouvelle saison en espérant performer un maximum avec cette équipe qui est complètement folle. Hein, donc voilà. Et on espère simplement aller chercher le maximum de titres. Je crois qu'il y a que ça à dire. Les gars, la mi-saison, elle a sonné. Vous le voyez. On est en retard sur nos objectifs en Serie A. Naples est très très bon. Naples perd que deux fois. Et Naples est actuellement leader. Cette longueur devant nous, va vraiment falloir s'accrocher pour les attraper, les Napolitains, parce que pour le moment, ils sont en train de vraiment faire une très très belle saison. Nous, on est dans le tir pour aller chercher au moins le podium, je pense. Mais bon, nous, il n'y a qu'un truc qui nous intéresse, c'est le titre. Hein, on ne va pas se le cacher. Donc on espère que ça va pouvoir tourner en notre faveur. Au niveau de la Coupe d'Italie, on est rentré en lice en deuxième tour. Non, même plus tard, troisième tour. Non, huitième, pardon, voilà, victoire 2-0 contre Palerme, quart de finale, ce sera contre la Fiorentina, on a le temps de se projeter dans ce dernier. Au niveau de la Ligue des Champions, on est dans un groupe qui me semblait relevé, on a atomisé le groupe, 19 buts, 7 buts pris, 18 points possibles, on a atomisé le Real deux fois, on les a tous atomisés, et du coup, en huitième de finale, on tape Liverpool. Alors bon, c'est clair que sur l'affiche, tu te dis « waouh, c'est énorme ». Après, on a plus de 10 ans qui séparent la réalité actuelle, donc on ne sait pas comment
comment est Liverpool, mais sortir maintenant, ce serait catastrophique pour nous, au vu du début de la compétition qu'on fait. Donc voilà, je vous montre rapidement l'équipe. Hein. On a vraiment une équipe stratosphérique, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ouais, Mercier à 22 ans. Hein. Je vous rappelle juste que Mercier à 22 ans, que Pedri est monté à 95, et qu'on a une équipe qui est bâti pour gagner, pour tout gagner. Maintenant, on espère se rattraper un peu en Serie A et arrêter les résultats en dents de scie et tout retourner. Simplement, il n'y a que ça que l'on peut dire. On va se retrouver, les gars, pour le match retour contre Liverpool. Il est là, les gars, le match retour contre Liverpool à l'aller. On les a cassés 2-0. Et de là, sérieux, si on sort, c'est catastrophique. Jules Koundé et Simon ont régressé. Eh bien, il va falloir penser à des changements la saison prochaine, un nouveau gardien et même un nouveau défenseur central. Bref, allez, on est parti pour ce match face à Liverpool. Faut pas flancher, on flanche pas. On perd, mais on flanche pas. On se qualifie, victoire 3-2 sur l'ensemble des deux matchs et on part en quart de finale. Les gars, encore un petit bout avant d'aller chercher l'objectif qui est donc une deuxième Ligue des Champions depuis qu'on est à la Juve, mais... On va pas se le cacher qu'on sort déjà un gros club là. Les gars, vous le voyez, c'était Leverkusen en quart de finale. On les a battus 3-2. Les gars, on est sur une série de victoires qui est assez incroyable. Je vais encore simuler le match, mais on a gagné 3-2 chez nous. Ça va être chaud. Ils ont une équipe, ils ont Nyonto, ils ont vraiment une grosse team. Là, il y a un vrai challenger en face. Faut pas les sous-estimer. Ça passe ! Demi-finale ! On est en demi-finale, les gars. Allez, c'est bon, ça. But de Riyad Cherki à 7 minutes de la fin. Et du coup, la Juve est en demi après l'élimination de Liverpool. C'est Leverkusen qui passe à la trappe. Alors, je suis encore un petit peu mitigé sur qu'est-ce que je vais jouer. Je ne vais pas vous le cacher. Parce que là, maintenant, quart de finale, ça passe. On est en demi. On est à 3 matchs de gagner une deuxième Ligue des Champions avec la Juve. C'est pas rien. En plus de ça, on va pas se le cacher qu'en championnat, on a repris la tête parce qu'on est sur une série juste stratosphérique. Et aussi au niveau de la Coupe d'Italie, la Coupe d'Italie, ça se passe super bien parce qu'on a éliminé la FIO. Et du coup, on est en demi contre l'Inter et on a passé la demi. Donc je pense que je vais très certainement espérer aller en finale de Coupe d'Italie, jouer une finale de Coupe d'Italie. Et puis après, j'espère enchaîner. On peut faire un triplé. On peut clairement faire le triplé, un triplé historique. Ce serait le premier de l'histoire de la Juve. Et ce serait magnifique. Les gars, c'est énorme. On a battu l'Inter 4-2 sur le match aller-retour de Coupe d'Italie. Et vous l'avez compris, on a une finale contre Naples qu'on va jouer d'ici quelques minutes pour gagner notre Coupe d'Italie. Et au niveau de la Ligue des Champions, j'ai avancé tranquillou. Et les gars, on est officiellement en finale. On a battu Chelsea 5-2 en demi. Et on est en finale contre Manchester City. On avait battu Manchester United il y a 2 ans. Et là, c'est Manchester City. Et on peut clairement faire un triplé. Cette année, c'est l'année du triplé. Sinon, ça ne le fera jamais. Si on ne le fait pas cette année, on ne le fera jamais. Vous l'avez donc compris, on a ce match. Un peu de fatigue de notre côté dans cette finale de Coupe d'Italie. Eux aussi. L'occasion pour nous de peut-être faire tourner un petit peu. Même si, j'ai... Oh, purée, Lima, il est à 80. Ouf. Lima, il est monstrueux. Après, je... Le problème, c'est que Lima, 90... Lima, il a quel âge maintenant? 24 ans. 24 ans, Lima. 24 ans, Lima. Hein, c'est très, très fort. Il n'y a que ça à dire. Je crois que j'ai quand même allé comme ça. Je ne vais pas réinventer mon équipe. Je ne vais pas changer. Je vais quand même mettre Saliba. Il est trop important. Et on va aller comme ceci pour tester cette équipe face à Naples. Il ne faut pas se louper. Il faut aller chercher le premier titre de cette année. Allez, c'est parti les gars pour ce match. Faut pas se louper. Hein. Comme je l'ai dit, faut pas se louper. Hein. C'est le match que je veux pas louper. Faut pas se louper, mon petit finale de Coupe d'Italie. Ce serait quoi là, 2e ou 3e qu'on remporterait. Hein. C'est pas rien. Hein. Allez, c'est parti pour ce match. La Juve. Qui a rendez-vous avec l'histoire dans cet épisode. Ramos 1-0 pour Naples. Ok, il a été très vite. Il a été trop vite, même à mon goût. J'ai pas assumé. Je dis la vérité, j'ai pas assumé. Il a été trop vite. J'ai pas rattrapé. 1-0 pour Naples. Bon. Voilà, c'est goal. Oh là là, ça passe pas. Grosse défense sur Vlahovic. Cache la peur avant la douane.
cache la paix avant la douane. 2-0. Moi, je suis en train de chanter du Joule. Et oui, ils me mettent le karma. 2-0 pour Naples. Va falloir se réveiller. Là, faut aller du monde dedans. Hein. Si tu veux marquer, faut du monde dedans. Gratier, allez, die. 2-1. Bien joué, je sais pas qui c'est, je m'en fous. Allez. C'est Alcaraz, on le prend clairement ce but. Belle erreur hein, de la défense. Ah, belle erreur, ouais, belle erreur. C'est le cas de le dire. Allez, parfait, 2-1. Il m'a pété, il me l'a pété. Il m'a pété Saliba, le bâtard. Le bâtard, je suis sûr qu'il se relève pas. Tu verras, il va pas se relever. Tu verras, il se relève pas. Bah oui, appelle la civière, frérot, ouais. Bah oui, il est out, c'est mort. Saliba, il est mort. Saliba, il est mort et à son âge. Oh là là. J'ai pas d'autre choix. Puis Amon, allez. Eh ben, ça va m'impacter ma fin de saison, ça. Hein. Énorme, énorme, bien joué. Là, ça passe. Tiens! Je t'avais dit, une. Tu en essaies une, je te la mettais. Voilà, cadeau. Come on. On était mené 2-0, on revient à 2-2. Solide, hein, solide. Come on, boy. Allez. Quelle frappe. Quelle frappe, quelle perf. Bien joué, les gars. Fait du bien, ça. Ça fait du bien. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant. Mais non, va sur Vlahovic! Pourquoi tu vas deuxième rideau? Oh là là, on avait la balle de... De titre. On avait la balle de titre. On avait clairement la balle de titre. On est con. On est complètement con, en fait, ma parole. C'est incroyable. On avait clairement la balle de titre. Eh ben, on peut se la manger. Ah, on peut se la manger, les gars. Incroyable. Incroyable ce qu'on loupe à la fin. Bon, on peut faire des changements aussi, hein. J'hallucine. J'hallucine ce que je rate à la fin. C'est énorme. C'est tellement énorme que ça me paraît surréaliste de louper ça. Allez, mange ça. Bien joué, mon gars. Coaching gagnant. Ouais, bah après, t'as la classe, tu l'as pas. Bien joué, Joao. Joao Félix, il a 32 ou 33 piges hein, dans le jeu. T'as l'impression qu'il en a toujours 18. La gueule de bébé. C'est drôle qu'il fasse une évolution du joueur avec la barbe et tout ça. Moi, ça serait trop kiffé, ça. Allez, ça passe. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Allez, une minute. Pas de dinguerie, hein. Pas de dinguerie. Pas maintenant, hein. Pas maintenant, hein. C'est fini. On a galéré parce qu'on était mené 2-0. La première, elle est là. Première coupe de la saison. On veut le triplé. On veut le triplé. C'est le premier étage qui est passé. Il faut aller chercher le deuxième et le troisième. Mais au moins, il y a la base qui est acquise. La Coupe d'Italie est pour la Juve. Nouveau trophée pour notre coach. Et ça, c'est important. Ça fait plaisir. On va l'avoir bien sûr se lever, ce trophée. Hein, mais... C'était pas évident, c'était pas évident. L'essentiel est là, c'est que c'est fait. Et que la Juve remporte sa Coupe d'Italie. Le capitaine va la soulever d'ici quelques minutes. Joao Félix, hein, coaching gagnant, comme je l'ai dit au moment du but. Et on peut être très fiers de ce qu'on a réalisé là. Bravo les gars. Avec Hugo Guillamon, qui a repris le brassard de capitaine à Saliba suite à sa blessure, qui soulève la Coupe et qui sera très certainement d'ailleurs titulaire pour la finale de la Ligue des Champions. Allez, la Coupe d'Italie. Elle est dans la poche. Ah oui, 7 mois. Oh, ben Saliba, on peut aller chercher un nouveau défenseur central. Hein, il est fini. Hein. À son âge, il va prendre cher. En plus, au niveau du général, c'est sûr et certain que là, on peut aller chercher un défenseur central pour la saison prochaine. Bon, il nous reste 2 matchs de championnat. Je ne vais pas vous dire si on va être champion. On va vivre la fin de saison ensemble. Hein. Victoire contre Parme, contre Pise, ça doit être anecdotique. Ça gagne contre Pise. On va voir si on est champion d'Italie, les gars. Ce serait...
la troisième année d'affilée. Et surtout la finale Ligue des Champions après. Hein. Donc, est-ce qu'on est champion d'Italie? Est-ce qu'on fait le doublé, hein? On avait repris la tête, je vous l'avais dit. À mon avis, on est tranquille. C'est le cas. On est une nouvelle fois champion d'Italie, trois années d'affilée pour notre coach depuis qu'il est arrivé à la Juve. Il ne connaît qu'une chose, c'est le titre en championnat. Il a déjà une Ligue des Champions, on a déjà deux Coupes d'Italie et c'est l'occasion d'aller chercher maintenant la Ligue des Champions. La deuxième depuis qu'on est arrivé à la Juve, on va pas se le cacher que c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Je m'amusais l'autre jour, comme d'hab quand je fais ces carrières globetrotters, à la fin j'arrive plus à suivre à combien de carrières je suis, à combien de saisons je suis. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 14 années. C'est-à-dire que l'année prochaine, c'est la dernière année, logiquement. Parce que c'est 15 ans. Donc l'année prochaine, la carrière, elle est terminée. Ce serait ça, hein, logiquement. Hein. Du coup, on a fait Palerme, Gladbach, Monaco, la Juve. Hein. On a vraiment voyagé dans 4 clubs depuis le début. Et le club où on a été plus longtemps, c'est Monaco, si je dis pas de conneries. Bon, avant de faire la finale avec des champions, on analyse quand même cette équipe un petit peu, parce que bon, il y a une saison qui s'est écoulée. Alors bon, on a notre gardien qui régresse, on verra ce qu'on fera l'année prochaine. Va falloir faire avec les joueurs qui perdent en général. Là, je pense que lui, ça va faire très très mal de le perdre sur 6 mois, parce qu'alors, quel joueur on perd là? Koundé, qui a déjà pris un moins 2 sur la saison. Donc voilà. Sinon... Mercier le plus 2, Jankovic ça n'a pas progressé malheureusement parce qu'il s'est blessé, Guiamon, Baturina qui nous aura bien suivi, hein, Baturina, Pedri aussi, Pedri lui, monstrueux Pedri il est simplement monstrueux, Ilic il est très bon lui aussi, Alcaraz il a pris un 92 désormais, c'est monstrueux, Cherki 91, on a Lima qui a pris un plus 3, je pense que Lima il sera titulaire la saison prochaine, je pense lui faire ce petit cadeau et puis Vlahovic, 33 ans, mais toujours 91. Hein. On va pas se plaindre. Hein. Je crois qu'on va pas se plaindre. Meilleur buteur de cette équipe, les gars, c'est Lima. Est-ce qu'on va pas le titulariser, Lima? Parce que ça met 29 buts quand même. Hein. 29 buts, Lima. 24 pour Vlahovic. 21 pour Baturina. 19 pour Pedri. 15 pour Cherki. C'est violent. Hein. En fait, c'est Lima qui joue au détriment d'Alcaraz. En fait, si tu regardes les stats. 11 matchs, Alcaraz. Vous avez compris, je stimule tout par les menus. Hein. Et le meilleur passeur, du coup, c'est un double passeur. C'est avec Lima et Pedri. Lima, c'est le meilleur joueur. En gros, Lima, là, on est sur le GOAT incarné du football. Quoi. T'es sur le, je pense que ça va être le Regen de Neymar. Ouais, je pense que Regen de Neymar, c'est bien possible, hein, Lima. Regen de Neymar, je pense. Allez, Lima, c'est le moment d'éclater toute ta classe dans ce dernier match de la saison. Dans cette finale, si je puis dire. Hein. Il va falloir tout donner, tout défoncer. Voilà, la finale de la Ligue des Champions. Pour aller chercher une deuxième C1 avec la Juve. Et il y a Miretti en face. Il y a un joueur formé chez nous, Miretti. Si on allait chercher Miretti, non. Le gars, il a le mieux de terrain de fou furieux. Il va encore aggraver la chose. Bref, c'est parti. Allez, c'est parti. On est où, en fait? On est encore au stade de... Mais sérieusement, pourquoi à chaque finale, à chaque fucking finale de Ligue des Champions, on se tape ce putain de vieux stade du Paris Saint-Germain? Avec ce vieille pourriture de Paris Saint-Germain en haut, il y a des drapeaux du PSG qui flottent, ils sont même pas là les types. Franchement, pourquoi on se tape cette merde à chaque fois? C'est incroyable. Et ils ont vraiment de la merde dans le cerveau, hein. C'est un truc de ouf. Entre pondre un jeu de merde et être complètement incohérent sur son contenu, on est au top du top. Hein. Il y a toujours là le cyborg. Ça, j'aurais quand même le seum de perdre la finale de la Ligue des Champions seulement 2 jours après avoir vu contre eux alors qu'ils viennent de la gagner il y a 2 jours la première. Elle est là, elle est à nous, hein. Elle est à nous, clairement qu'elle est à nous. On va aller la chercher. On va aller la chercher. Allez. Le gros problème, c'est qu'on a l'autre gros con de Norvégien, là, qui va nous faire chier parce qu'il va à chaque fois se caler dans les lignes. 1-0 pour City. Ok. Ok. Excellent. Excellent la relance. Excellent, on est bien, les gars. On est bien dans cette finale. Bon, ben voilà, remontada.
Bah oui, puis l'autre, il sort tout, lui. Bah oui, l'autre, il sort tout, maintenant. Ben oui. Bah oui, c'est du handball, ce que je fais. Riyad, il a abusé. C'est quoi ça? Ils mettent un mur devant leur but, sérieusement. Ils devraient l'encaisser 10 fois, ce but. Prends profonde. Jour... Retrait. Voilà. Mais c'est quoi ces types? Ils dorment devant leur ligne, quoi. Sérieux, putain, mais c'est grave, ça. 1,7 d'expected goal. Comment veux-tu ne pas péter un plomb? Alors certes, la deuxième, je le prends pour moi, mais 1,7 d'expected goal contre 0,7. Il y a 2-0. Je sais pas qui est leur gardien. Mais si ça continue comme ça, j'annonce que je vais aller l'acheter. Me fait chier. Mais c'est pas possible! Mais viens me parler de script. Je vais perdre la finale. J'annonce, je perds la finale. Vous verrez. Je perds la finale, c'est sûr et certain. C'est scripté de ouf. Je sais pas quoi faire. Je sais juste... Ah, puis c'est moi qui la mets dehors. Ah, c'est moi qui la... Ok, autant pour moi. Ah, c'est fantastique. Elle est fantastique, cette finale. Oh, ça y est. Ils vont marquer. Hein. Ils marquent maintenant, si jamais ça vous avez des doutes. Il y a hors-jeu. Ah oui, ils sont en bloc bas. Ils sont en bloc. Il n'y a pas d'hors-jeu. Ah, c'est un délire, ce match. Il y a tous les corners. Tous ces putains de corners. Il est dessus, ce fils de... Je me le prends, c'est mort. Jules Koundé, il est mort. Voilà. Vous voulez faire quoi, sérieusement? Puis venez pas me parler que c'est scripté, ce jeu de merde, après. Pff, 3-0. J'ai atomisé tout le monde. Et Miretti en plus. Mais pff, bien sûr. Le jeu, c'est un troll. Déblaye-moi ça. Dégagez tous, vous m'avez fait chier. Un truc de ouf. Je veux même pas voir les stats à la fin. Je veux même pas voir l'expected goal. C'est un scandale. C'est la pire fin... C'est un hold-up, mais... Alors... Même là, le compte favorable, ça leur tombe dessus. Bah ouais. Vas-y, siffle la fin, c'est bon. Donne-leur la coupe, ça m'a saoulé. On va pas tripler, on va pas faire tripler. On s'est chié dessus. Il n'y a que ça à dire, on s'est chié dessus. City remporte la Champions League. Alors ok, hein, le deuxième but il est pour moi. Hein. Ok. Hein. Et puis 3, il est gentil. 3, il est extrêmement gentil. Parce que sincèrement, vous, si vous regardez le résumé, les parades incroyables du gardien, la vérité, 3 en expected goal, c'est gentil. Hein. Bref, c'est comme ça. Il nous restera l'épisode la semaine prochaine pour encore remporter la Ligue des Champions. Ça va être compliqué de le faire sans avec cette équipe. Si on l'a pas fait, ce sera compliqué de faire le triplé. On fait doubler. Déception quand même de pas la gagner. Voilà, bien sûr, déception. Et bon, on ne remporte pas une deuxième Ligue des Champions. Malgré tout, je vous invite à liker, commenter, partager si vous aimez toujours cette série. La semaine prochaine, c'est le dernier épisode. Hein. On a quand même fait une belle aventure sur ces 15 années en tant que coach. Et on clôturera la boucle la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, c'était Micro. Ciao, ciao.